Comme ça, vous êtes tous emmerdés, sauf ceux qui sont debout, pour une fois, ça change. Pour commencer, on va faire les remerciements, parce que c'est d'usage. On va commencer par remercier la mairie de Gémonos, parce que c'est la base. Donc, tout le monde applaudit. Ils continuent d'entendre de chez eux, pas du bordel, merde ! Bon, vous êtes affilés, on vous en voudra pas. Ensuite, une fois que la mairie s'est fait, je veux absolument tous les trolls sur scène tout de suite, c'est pas une question, c'est un ordre. Ouais. 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 Maintenant, à toi les trolls. Mélodie Ferraton, sur scène tout de suite. Enchantée. Allez, bon, pas voter. Bon, vous voyez tous les espèces de machins qui sont à côté de moi. Bon, alors évidemment, moi je suis celui qui a rien branlé, hein. Donc c'est à eux qu'on doit dire merci pour la convention. On leur dit merci. Ensuite, on va dire aussi merci à tous ceux qui nous ont donner des petites choses qui sont derrière nous et qui j'espère vont vous plaire. Ou pas. En premier, les éditions Sans Détour. Bon, celui-là, je le dirai en dernier parce que de toute façon, je l'aime pas. Lui, c'est ma femme, donc on s'en fout, ça c'est moi. Bear Roll Games, il est parti, mais on lui dit merci quand même. Édition 12 singes. Plutôt d'être pro. Daniel Éternel. Coup de main. Coup de main. Ah ben oui, le fameux Daniel. Le fameux Daniel. Il est parti. Un partenaire au combien précieux. Un partenaire au combien précieux et que tout le monde ne sait pas qui c'est génial. Bon, les orgas, c'est fait, ils sont autour de moi. Merci aux joueurs. Merci de nous avoir donné des sous. Merci de nous avoir rendu notre argent que vous avez sûrement gagné à la sueur de votre front. Merci de nous l'avoir rendu. C'était nos sous, merci. La boulangerie qui est juste en face. Ouais, la boulangerie qui est en face. Merci de nous avoir tout un super bon pour les sandwichs. Monsieur. Et je te demanderai de te lever, toi, le grand barbu. Oui, toi. Monsieur Stéphane Chassin. Parce que monsieur Stéphane Chassin a fait donc d'abnégation totale de son corps et de son être, a été très altruiste et nous a offert un lot pour vous. Merci, Chouchou.
merci. Il y en a un, il est compteur d'une maison d'édition de merde que je citerai plus tard, il s'appelle Léo, mais son nom de famille, j'arrive pas à le prononcer, donc ça c'est fait, qui lui aussi nous a offert un lot pour vous. Les éditions Soleil, ils nous ont envoyé environ 3 tonnes et demie BD. Ouais, les trolls ont pété des hernies discales à plus savoir quoi en foutre. Il y a eu des déboîtements d'épaules, des trucs complètement sales. C'est des lopettes. Merci, hein, merci. Seul elfe de l'équipe. Hein. Monsieur Fidget, vous voyez la caméra qui est derrière là? Bon, ben c'est le mec qui est derrière la caméra. Accessoirement, Fidget a une chaîne YouTube. Il s'éclate à filmer toutes les fins de convention, les remerciements et tout, donc allez lui mettre des likes, c'est un bon gars. Merci. Maintenant, on va passer à ceux que j'aime moins, mais en fait, si je les aime trop, mais il faut pas que je dise que je les aime trop, parce que sinon, ça va passer pour un placement produit, enfin, vous savez le bordel, quoi. Il y a Vert et Merveille. Ouais. Red Dead. Back to Days. Termina, tout du bois, tu vois. Là, par contre, ça fait vraiment pas son produit. Et toi, tu te lèves? Si, ouais. Si, debout. Et le petit chose habillé en noir là-bas, tu t'approches. Ouais, avec les tresses. Toi aussi, tu viens. Elle fait un bon détour, hein. Voilà. Regardez en bas les petites. Faites gaffe à pas l'écraser pour t'enfoirer. Tu montes. Si, tu montes. Voilà. Alors, c'est deux personnes qui s'appellent. On va commencer par les dames, hein. Jean-Denis Colère. Et monsieur Marie Muller. Représente respectivement les éditions Eterna et Nemesis. Ouais. Bon, les remerciements c'est fait. Ouais. Maintenant, on va passer à la baston générale. Ouais. La remise des lots. Ouais, maintenant vous vous barrez, on vous a assez vu. Allez, barrez-vous. Maintenant, il y en a qui pour moi. Alors. Comme il est d'habitude de commencer par les masters, moi je vais pas faire comme les autres, je vais commencer par les joueurs. Ouais. Comme ça c'est fait. Je veux voir Monsieur Ryu CM Ange sur scène tout de suite. Ouais. Maintenant on va suivre l'exemple de Red Dead. Quand je vais dire rôliste, quel est votre hobby? Vous allez gueuler. Rien du tout. Ok, personne n'a suivi ses méthodes. Vous avez suivi le film 300. Rôliste, quel est votre hobby? Merci, ça fait toujours plaisir. Tu es premier joueur, je t'en prie, choisis. Tu es premier joueur, tu as le droit. Tu peux. Non, mais il y a les deux en fait. Les copains. Non, mais reviens, parce que c'est pas fini. Il y a un truc spécial pour le premier joueur. Tu feras gaffe de pas casser ça. Non. Pas du jeu, les MJ aussi. Le tabac officiel. Oh ouais. Tourne-toi. Officiel. Reste comme ça, tu feras bien sur la photo. Maintenant, tu peux t'asseoir, t'as droit à ta photo personnelle. Ah, sur le trône. Ouais, sur le trône. Et pour une fois, il fait pas d'eau celui-là. Enfin, c'est un doc. Enfin, on s'en fout. Le premier maître de jeu, qui s'appelle Monsieur Gauthier Lacourte. Ouais. Même si t'arrives à une punition, tu choisis. Oui. T'es bête.
Non, tu prends pas. Attends, parce que ça, c'est pour vrai. Donc tu prends. Non, mais ça, c'est pas assez cher, ça. Non, mais prends du plus cher, prends du plus cher. C'est ça, c'est rien, ça, c'est du mouvement. Tes premiers jeux, merde, fais un truc bien. Mais je l'avais pas belle, vas-y, veux. Mais non, mais il faut du cossu, quoi, c'est le premier jeu, merde. Ouais, vas-y, veux. Je vais prendre un truc qui coûte encore moins cher, mais je sais que... Oh ouais, bravo. Étant donné que tout bon maître de jeu qui se respecte se doit d'avoir, encore une fois, placement produit, c'est d'arriver à un petit point qui favorise, c'est génial, c'est super top, un Master Hammer. Ah, ben voilà. Ouais. Il est énorme. Maintenant, tu tapes dessus. Et pour info, celui-là s'appelle le Bovin. Le bovin. Parce qu'il a essuyé, certaines batailles. Beaucoup. Bon, en fait, c'est un accident de tour à voie, il a pété, j'ai un fils d'enlève. Oui, non, mais pour l'info, voilà, il a beaucoup souffert, mais il est toujours vaillant. Personne n'a entendu. On s'en fout. Il faut libérer la chaise. Non, non, c'est non, mais ça c'est va. Joueur. Ah, c'est ton joueur en plus. Oui. Tu as le droit de le frapper, il a été indiscipliné, j'en suis convaincu. On veut voir du sang. En même temps, il a joué à GQD, quoi. Si tu veux pas indiscipliné. Ah, bah d'ailleurs, tu parles, toi, je t'ai entendu dire GQD, ça tombe bien tes deuxièmes bêtes de jeu. Allez. Bêtes de jeu, ça m'étonne. Ah non, deux joueurs. Ouais, j'ai bien pas faire le chef de jeu. C'est la fatigue, la caféine, la cocaïne, on sait pas dire, hein, c'est pas bien. Dites non à la drogue. Tu choisis. Ouais, c'est dernier. Ouais, t'as fait placement produit. C'est bien, vas-y, fais placement produit. Voilà, artisanal. Fabriqué dans le salon sur mon tapis, d'ailleurs le tapis est mort. Vive le tapis. Bon. Le deuxième maître de jeu, bon, en même temps, sans doute, hein, c'est Red Ben. Alors, si c'est pas discriminatoire, si c'est pas but racial, tout ça, promis, hein. Sinon je frappe. Tu même dire tu viens des gobelins. Ah, c'est... D'ailleurs, tu me disais que j'avais une calme, tu te rappelles ? Ah oui, c'est vrai. Ça, c'était pour expliquer. Bon, bref. Déjà, je voulais signaler un truc. C'est que j'ai remarqué que cette année, c'est la victoire du délire. C'est-à-dire que tous les gens qui disent que parce que des rôlistes ont envie de rigoler, c'est pas du jeu de rôle. Ouais. Tous les gens. Non, mais Red Ben, on a pas. Tous les gens qui disent que les rôlistes, que les jeux de rôle où on rigole sont pas des vrais jeux de rôle, je leur annoncerai que Goblin qui s'en dédie a gagné cette année. Deuxième chose. Moi, j'ai toujours revendiqué représenter un JDR, une pratique intellectuelle, des choses comme ça. Ça veut pas dire qu'on doit mépriser le reste. À une époque de ma vie, j'étais très méprisant, j'ai fait des déclarations qui auraient pu laisser supposer que ce genre de façon de jouer n'était pas la mienne et qui aurait pu être prise comme méprisante. Je tiens à dire que là, franchement, aujourd'hui, hier, Gauthier, tu as prouvé qu'on peut aussi jouer comme ça. Et c'est ça qui est bien dans le JDR. Il y en a pour tout le monde. Parce qu'il y a des joueurs qui joueront pas à n'importe quoi, il en faut pour tout le monde et c'est ça aussi. Voilà. Deuxième choix, dernière chose à dire, je voulais, l'année dernière j'ai rendu un hommage à quelqu'un qui se reconnaîtra. Quelqu'un qui était souvent premier maître de jeu ici, et quand j'ai gagné ici l'année dernière, j'ai rendu hommage à celui qui aurait dû gagner cette année. Là cette année je suis deuxième, et je rends hommage à quelqu'un qui a souvent été premier, souvent été deuxième. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il n'y a aucune ironie dans ce que je vais dire, ni dans ma succession. Étrangement, les deux personnes que j'ai citées sont très liées, je le sais. Et moi je suis attristé par tout ce qui se passe. Ce que je vais dire là, c'est je vais le dire à tout le monde, tous les rôlistes, je voudrais qu'ils l'entendent. Je ne veux pas que dans la communauté rôliste, il y ait des gens qui se déchirent parce qu'il se passe des choses. Vous êtes tous potentiellement mes potes. Certains sont des amis. Je veux dire que pour vous, je pourrais filer des châtaignes au premier qui vous fait du mal. Voilà. Oui aussi. Je veux dire qu'il y a des gens qui apprécient beaucoup parmi vous. Voilà ce que je veux dire. Alors je veux pas vous voir, vous êtes trop déchirés parce qu'un tel il a dit ça. Moi j'ai trop souffert de ces histoires-là en assaut. J'ai quitté mon associatif pour ces raisons-là. Je reviendrai jamais à des responsabilités pour ces raisons-là. Parce que voilà. Alors aujourd'hui, je voulais dire la chose suivante. Je veux apaiser tout débat. Je veux pas que cette parole soit passionnée. Elle est pas du tout, militante ni dénonciatrice. Sika, j'aurais aimé que tu sois parmi nous aujourd'hui.
Je t'apprécie beaucoup, ma pote. Et j'espère te revoir un jour, même si, voilà, j'espère te revoir un jour parmi nous. Voilà, je veux dire qu'elle a sa place ici. Et comme j'ai rendu hommage à quelqu'un qui n'était pas là l'an dernier, je rends hommage à elle. J'espère qu'un jour, tu pourras revenir parmi nous. Voilà, c'est tout. En tout cas, je veux pas entendre de polémiques sur les histoires que vous entendez en bruit de couloir. Moi, j'ai trop vécu de ça. J'ai trop entendu de choses. Voilà, c'est tout. Prends le micro. Bon, maintenant, tu choisis. Là. Bon, tu prends un truc pas trop cher, hein, t'es deuxième. Ouais, je vois. Ça, c'est ton lot. Voilà, t'as gagné une liste. T'as gagné une liste de remerciements. Mais tout est bien. Question con. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Ça, ça, regarde ça. En anglais, mais. C'est bien, ouais. Placement produit. Le numéro 3 n'est pas un homme, c'est une femme. T'es sûr? T'as vérifié? Oui. Oui, oui, j'en suis sûr. Oui, son prénom, en tout cas, c'est vraiment un prénom féminin. Je vois d'ici qu'elle a des sandales bleues, un jean bleu. Elle rougit, puisqu'elle a même un t-shirt jaune, des lunettes. C'est mademoiselle Delbecq, Lucie. Mais on fait pas les choses comme les autres, alors voilà. C'est cool. Ça c'est très bien dans ta chambre. Sur la porte, tu sais, ou au-dessus de ton lit, ou au-dessus d'un hôtel avec des bouches là, tu sais. C'est à la gloire de l'ambiance. Bravo! 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 Le troisième maître de jeu, tu devrais arrêter de te gratter le nez quand on parle de toi, c'est pas cool. Il s'appelle monsieur... non mais attends, je vais faire... Bon, en fait, non, j'ai pas envie, c'est monsieur Marc Léban. Ça marche. Voilà, ben, comme d'habitude, je tiens à remercier les trolls. Parce qu'on vient avec plaisir à cette convention. J'écris des scénars toujours avec plaisir pour venir et pour vous, tous là, que j'ai à ma table ou pas, pour la première fois. Et je reviendrai l'année prochaine, je reviendrai en juillet. J'espère qu'on vous verra pour le jeu de rue, 14, 15, 16 septembre. On dit aussi, hein, pour les bons. Petit peu, j'ai lancé le truc, tu peux y aller. Maintenant. Voilà. Donc merci à vous tous. Bah d'ailleurs, en parlant de Chocho, ça tombe bien tes quatrièmes joueurs. Et bah, prends ton rôle. Viens chercher ton rôle. Je vais pas faire long sur le micro. J'espère vous retrouver au Tisseur de Rêve cet été. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances que l'année prochaine on ne puisse pas faire l'événement parce qu'on n'aura pas la salle. Elle sera en travaux. Normalement cette année c'était déjà compromis, mais en fait les travaux ont été retardés. Donc du coup on va pouvoir quand même faire les tisseurs cette année. Ouais. Donc,
C'est un bon appel, c'est un bon appel pour après aller à jeu de rue. Et je suis super content parce qu'hier on a fait deux parties hors tournoi de pirates dont le financement participatif se termine le 30. Voilà. C'est bon vendeur, lui. On va le prendre en commercial. Hein. Dès que je me rase la barbe, mais c'est pas arrivé. Merde. Non. En tout cas, merci à tous parce que je me suis vraiment éclaté sur mes deux parties. D'ailleurs, mes deux masters sont classés là. Voilà, c'était Bad Ben et Marc. J'ai passé deux super parties, je me suis vraiment éclaté en tant que joueur et je me suis éclaté en tant que master sur Pirate durant la nuit. Voilà, c'était cool. Merci. Un bon master, c'est en plus, l'exemplaire est neuf, il est encore sous blister. Ah mon dieu! Un petit peu de Star Wars. Je suis déçu. Merci à tous. Le quatrième maître de jeu est assis le plus près possible de l'escalier. Je vais lui demander de monter, c'est monsieur Dedunois François. Ouais. En parlant de Star Wars, vu qu'il a maîtrisé Star Wars. C'est bon, je vais pas prendre le micro, mais merci en tout cas. Merci en tout cas à mes joueurs d'INS. Ça a été clairement pour moi la meilleure partie d'INS que j'avais pas fait depuis longtemps. On a bien rigolé. C'était un jeu où justement, hein, je pense un petit peu à Red Ben qui dit où le JDR c'est pas que des jeux sérieux où on fait des scénarios, des enquêtes, etc. On peut aussi faire des enquêtes et énormément rigoler. Surtout quand on cherche le petit chaperon rouge désespérément et qu'on se rend compte que dans son panier, il y a tout un tas de sextoys. Voilà. C'est un exemple. Il y avait des personnes mineures, mais on le dira pas. Merci, François. D'ailleurs, en parlant de mineurs, je pense que ton papa va être très fier, ma grande. Alors, je sais, t'as des béquilles, ça va pas être évident, mais il va quand même falloir que tu montes. Je vais demander à ton papa de t'aider à monter, quand même, parce que merde. Mademoiselle, et non des moindres, puisqu'en plus de ça, non seulement c'était sa première convention de jeu de rôle, mais c'était aussi ses premières parties de jeu de rôle. Mademoiselle, pasteur, Tessy. Si tu choisis, puis après t'as ta photo, tu seras dans un matin. C'est pas mal. Non, mais pas plus fort, je t'attends. Un jeu de rôle? Ah! Elle veut un conseil. Elle choisit quoi? Ah, ça c'est compliqué. Hein, elle choisit quoi? Allez, on se le fait façon le juste prix, les gars. Donc elle a suivi le conseil de gens très avisés, elle a choisi cette corde. Ouais, 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 ouais. Le zombie, c'est la vie! Oui! Le cinquième maître de jeu, c'est monsieur Woulion Lamini Sylvain. Bonjour, ça serait de devenir MJ.
Je saurais tout le monde rapprocher. Merci. Bah de rien. Si vous pouvez penser à prendre des mots en entier, parce que sinon après ça prend la poussière sur les étagères, c'est chiant. Je ne vais pas faire la poussière en plus. Pour les 6e et 7e joueurs, je vais vous demander de voter. Ah, excusez-moi. Mais justement, c'est marrant, c'est un superbe trophée. Eh, c'est ma tête de troll boy, c'est moi qui l'ai fait. Oui, je sais. Avec les restes de mon doudou. J'allais dire, il était plus ton doudou quand même, hein. Ouais. Tout même. Je vais passer par Guillaume et monsieur Lizzy Benjamin. Respectivement, ouais, 6e et 7e joueur. Merci. Ensuite, je souhaiterais voir le 6e et le 7e bête de jeu sur 7, soit messieurs Trinquelin Thibault et André Sébastien. Alors, à ce qui paraît, ce fait de petit bout de jeune homme, il a créé un jeu de rôle dont je n'ai pas lu le synopsis, mais en tout cas, je n'en entends plus du tout. Il est super! Merci en tout cas à ceux qui ont joué et qui ont aimé. Merci à tous ceux qui sont venus, merci à ceux qui ont tenu la buvette. On les remerciera jamais assez cela. Si on n'était pas là, vous n'auriez rien à faire. C'est ça, voilà. On serait mort. Et on venait relis s'acharner. Et surtout, ouais, merci de continuer à faire vivre. Tu te tais un peu. Ok, pardon. Merci de continuer à faire vivre le jeu de rôle avec des conventions. Merci à tous ceux qui ont initié un nouveau joueur ou une nouvelle joueuse une fois. Merci à tous ceux qui sont relis, tous ceux qui sont plus encore et tous ceux qui le seront bientôt. Même tout, on se casse. Pour en revenir aux joueurs, le roi Damien, je l'ai appelé ou pas? Non? Bon bah alors monte. Ainsi que Jamie Philippe et Michel Michel. Je les applaudis bien fort, on est mort. Merci à tous et j'espère vous voir à la prochaine version. Je remercie mon papa et ma maman sans qui tout cela n'aurait été possible. Voilà, vous pouvez m'applaudir. Et donc, merci.
Souvenez-vous de mon nom. Michel Léger, ça résonnera pour des siècles. Michel. Ensuite, vu qu'il n'y a plus de jeux à classer, on va accélérer un peu les joueurs parce qu'on a tous envie de rentrer chez nous, on est crevés, on a dormi 2 heures, on ne dit pas, mais il faut le dire quand même. D'ailleurs, profite pour dire qu'il faut qu'il reste à la désinspiration. Ouais, faut rester pour passer la serpillière, faire les vitres, la poussière, tout. Tu vas faire ce soir avant d'aller dormir. Hein ? Non, je vais pas, c'est pour ça qu'il faut tout prendre. J'en étais où déjà ? Michel ! Oui. Ah oui, oh, mais en plus il a raison ce con. Mais t'es pas vraiment bon. Alors je souhaiterais voir à la 11e place Monsieur Paris Kevin. Et à la 12e place ex aequo Monsieur Rouja Sébastien. Et Pierre Levisil Julien. Merci. Suspense. Ensuite, j'aimerais voir Mesdemoiselles Arnaud Estelle. Armand Estelle, pardon. C'est juste que le M ressemble à un N. Non, mais c'est vrai, regarde, ça ressemble à un N, d'accord. Enfin, voilà. Je suis le qui tape plus fort, je suis pas le qui sait lire, moi. Hein. Bon, je fais ce que je peux. André, Laetitia. Oui, quand même, je serais pas ce qui me chanterait. Alors, elle s'appelle Alexandra. Tu peux monter, s'il te plaît. Voilà. Merci à tous. Merci à vous. Alors maintenant, je vais les appeler un peu à la chaîne, les joueurs. Je suis désolé de faire du bashing de bot comme ça, mais c'est pas très sympa. Mais je vais pas faire les choses que pour eux. Je crois que j'ai suffisamment dit. Ça y est, la scène est libre, on peut y aller. Je voudrais voir Monsieur Grossi Lucas. Coste, Arnaud. Découvert, Thomas. Et 20e joueuse, mais absente sur poste d'accouchement. Landra Florgan, donc je pense qu'on n'en voudra pas. Voici la représentante de Florian. Bah, j'avais vu que vous étiez au petit coin et tout, donc je me suis dit que ça allait être bientôt. Voilà, à noter en fait ce point particulier, c'est que pour ceux qui l'ont vu hier, Florian est venue jouer à la table de Landfest. Elle est partie hier soir à l'hôpital, elle a couché ce matin vers 11h. Au début du parti, ceci est un futur folie. Bravo, 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 bravo
l'étoile. Gloire, c'est l'étoile. Le petit garçon, tout va bien. Et puis si même celui qui pas, c'est ni repris ni échangé. Hein. Voilà, il était cassé. Ensuite, nous avons Dalmès Cédric, Long Manu, Ross Franck, Chavo Sophie, qui évidemment n'est pas là. Non, mais ceux que j'appelle, il faut qu'ils montent. Hein. Ah, mais en fait, ils sont absents. Ça, c'est parfait. Les représentants ? Oui. Pour Manu. Pour Manu. Pour Manu. Pour les autres, personnes. Non, vraiment ? Bon, bah, tant pis pour eux. Koumès Ludovic, Grossi Clara, Couvry Armand. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Et si tu te prends pour lui, c'est tout. Quoi que tu me diras, au niveau physique, c'est pas loin. Un chauve avec de la barbe, c'est vrai. Oui, non. Il pique un peu quand même. Métal et lunettes, ça compte. Ouais, ouais, ça compte. Enchaîne. Blette Louis, oh, Dubreuil Anthony, Pixel Fred, donc il faut que tu restes. Amimi Raphaël, Chaillot Jérôme, Labat Philippe, Amimi Alicia, qui évidemment n'est pas là non plus, mais Jean-Dope n'est pas là, c'est plutôt logique. Prends le truc pour Philippe. Ah, tu prends le truc pour Philippe. Le mec débarque. Marche bizarre, c'est moi qui prends. Non, mais c'est bien le micro, comme ça, même dans les chiottes, on vous entend, c'est bien. C'est toi pour Raphaël Alicia. Ouais, merde. Alors, je sais pas si c'est un U ou un A. Du rare Eric. D'un rare Eric. Sose Thomas. Cataneo Baptiste. On va y arriver, foutu doigt. Arrête de te coincer le doigt. Et la feuille reste. Tranquille. Pizzani, Amandine. Mazella, Loris. Coretti, Christophe. Barbarou, Yavi. Arto, Vincent. Magé, Mathieu. Voileau, Yann. Bergon, Fabien. T'as appelé tous les joueurs là ? Parce que Bruges, Eric, tu l'as pas appelé. Ah, c'est Bruges. Eric. Qui n'a pas eu son petit cadeau ? Qui n'a pas eu son petit cadeau ? Tout le monde a eu un truc ? Est-ce que tous les joueurs qui sont venus jouer ont été appelés ? Même ceux qui n'ont pas voulu être notés peuvent monter sur scène, tout le monde a droit à l'eau. Ah bah tu montes, tu viens prendre un truc. Voilà. Et les MJ, c'est pareil ! Pareil pour venez, les nouveaux jeux. Venez chercher votre cadeau. On veut pas que ça batte. Ouais, on veut pas faire la poussière. Non, non, le président, il veut garder l'eau. Ceux qui sont déballés, c'est parce qu'il a joué avec. Peut-être pas de la façon dont tu crois. Oui, de cette façon-là, je peux vous dire. Thank you.
Bon, ça y est, tout le monde a eu son petit cadeau. Ouais, c'est bon. Tout le monde a eu son petit truc. C'est sûr. Bon, maintenant, est-ce que tout le monde peut se lever? Voilà. Oui, oui, tu te lèves. Maintenant, tout le monde se tourne et fait face à sa chaise. Vous saisissez la chaise comme vous pouvez parce que vous avez tous un truc dans les mains, je sais c'est chiant mais c'est drôle. Et vous la mettez dans la petite salle qui est là-bas, ça nous avance un truc de dingue. Grâce à ça, on gagne au moins 2 heures. Merci les copains. Allez, si possible en chantant, et en rythme bordel. Ils ont mais t'as fait mieux, dans sa chaise. Merci d'être venu, gros bisous. Ah oui, et j'y pense, parce que je suis un mauvais élève. Pensez à réserver votre week-end du 21 et 22 juillet 2018. Salon du jeu de rôle, du rêve et de l'imaginaire. Le thème... Juste avant les tisseurs, il faut y aller. D'ailleurs, rappelle-moi le thème des tisseurs cette année. Les tisseurs, c'est quand? Art culinaire. Art culinaire pour le thème des tisseurs. Par contre, pour le thème de, du salon, mille et une légendes. Mais bon, après, je ne sais pas que vous bossez. Mais moi, je vais faire.